Bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis un petit peu couverte, mais je commence à avoir très très mal à la gorge. Donc j'essaie de la garder au chaud un maximum. Donc je suis désolée, je suis un petit peu couverte. Bon, alors, je voulais pas forcément vous parler de ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je viens vous parler surtout de la péristérite. Donc c'est la labradorite blanche, elle est plus connue sous ce nom-là. Donc je voulais vous parler de ses vertus et de ses bienfaits. Donc sur un plan physique, elle permet de stimuler la circulation sanguine. Elle permet aussi de vous aider au niveau des troubles de la thyroïde. Pour les femmes, parce que c'est une pierre blanche, donc c'est une pierre de féminité plus. Donc elle travaille beaucoup avec l'énergie du yin. Donc elle permet en fait de repousser la ménopause et donc d'activer la fécondité. Sur un plan aussi fatigue psychique et psychologique, elle permet vraiment de nous aider à pas perdre en tout cas ces facultés-là. Elle permet aussi donc l'auto-guérison. Il va falloir que j'en porte une d'ailleurs. Bon, après j'ai gardé la mienne, mais là j'avoue que je l'ai mis. Je l'ai mis sur ma fleur de vie pour qu'elle se régénère un petit peu. Donc, je pourrai la reporter bientôt. Donc, sur un point de vue psychologique et spirituel, donc elle nous aide aussi à développer notre intuition, nos capacités sensorielles, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Elle nous aide aussi à nous connecter plus facilement avec notre nous supérieur, avec notre moi supérieur, et voir aussi directement avec le Créateur. Donc, cette pierre a la faculté aussi d'aspirer et dissoudre toutes les énergies négatives que l'on peut avoir autour de nous. Donc, du coup, on se sent beaucoup plus en sécurité avec elle. C'est ce que j'aime le plus chez elle. Donc, à partir du moment où on se sent en sécurité, on peut développer notre propre confiance en soi. On a aussi, du coup, comment je pourrais vous expliquer ça? On a aussi beaucoup plus le sens des réalités, du fait d'avoir plus confiance en soi, parce qu'on a aussi cette faculté d'analyse qui est beaucoup plus sereine. Voilà, c'est ça, chercher le mot. Beaucoup plus sereine et donc forcément des relations sociales beaucoup, 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 beaucoup plus faciles et beaucoup plus dans la douceur. Voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir prendre de la hauteur sur les situations, sur les gens. Enfin voilà, elle est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup cette pierre, je la trouve vraiment. Je dirais même exceptionnel. J'avoue, hein, je la trouve vraiment magnifique, cette pierre. Et donc, forcément, vous l'avez bien compris, qu'elle nous protège de tout, de toutes les attaques physiques et psychologiques et psychiques que l'on peut avoir au contact des gens et voire même des situations. Voilà, c'est vraiment une très très belle pierre. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser aller voir sur mon site. J'ai réussi à en avoir quelques-unes. Vous allez voir, il y a différentes formes, en tout cas pour cette pierre que j'ai pu avoir. Donc, j'ai pu l'avoir en forme de cœur, en forme de goutte et en forme de rectangle. Après, je sais que je peux l'avoir aussi, je crois, en marquise aussi. Et après ça, il faudra attendre un petit peu que je puisse après les recommander si vraiment cela vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, si cette forme de marquise vous intéresse, je vous laisserai mettre un message sur mon site ou tout simplement vous pouvez aussi m'appeler ou me contacter via Facebook ou Instagram. Vous avez vraiment différentes façons de me contacter. Voilà. Eh bien, je vous laisse aller voir, je vous laisse regarder et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas avant. Au revoir et très belle soirée à vous.